Salut les filles, salut les gars, salut les poules, salut mes chéris. Aujourd'hui, je vous envoie un gros bisou. Alors les filles, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ça va aller. Aujourd'hui, je suis là pour parler des pieds. Oui, des pieds. Nous les négligeons gros en ce moment. Tout ce que moi je vous fais voir, ce sont les choses que moi je fais à la maison et qui n'ont pas de honte. Il peut avoir que vous avez, moi j'ai pas des beaux pieds, elles sont toujours parfumées et je dis. Mais c'est surtout une phrase que je dis toujours, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de laisser des pouces, n'oubliez pas de laisser des commentaires. Je suis de tout cœur avec vous, je vous fais voir comment est-ce que moi je pense au niveau. Notre thalasso il est prêt. Nous allons maintenant mettre des produits pour y commencer. Je vais mettre de l'eau oxygénée. Ensuite, je vais ajouter du. Je vais venir ajouter mon sel pour pédicure dans de l'eau. Il se vend en pharmacie. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser votre sel de cuisine. Ensuite, je vous laisserai des informations sur la barre d'outils par rapport à ce talasso-pied qui est très bien. Vous effectuez votre pédicure. Dans le cas où vous ne l'avez pas, vous pouvez tout simplement utiliser une bassine, un seau. Vous mettez de l'eau dedans et c'est juste simple. Je vais activer mon talasso-pied au niveau 2. Cet appareil, il est vraiment très bien. Si vous ne l'avez pas, ça ne dérange pas, vous pouvez utiliser un seau d'eau. Mais cet appareil, au niveau 2, il me procure du massage, de la chaleur, du bain de boue. Après 15 minutes, regardez le résultat. Je vais le laisser encore pour 5 minutes jusqu'au niveau 1 pour le massage. Je vais utiliser cette boîte à pédicure pour nettoyer mes ongles. Je vais utiliser mon Joyscare qui est un appareil de pédicure qui vient avec beaucoup d'accessoires à l'intérieur. Elle vient avec 5 accessoires. Alors, il y a un disque pour limer et raccourcir les ongles, un disque de polissage, une fraise abrasive fine de précision, une fraise large pour la pédicure, une fraise de polissage pour la fin. Alors cet appareil, il est vraiment très bien. Il vous permet de ne plus avoir des problèmes que vous limez, vous vous faites mal avec la peau, vous pouvez aller vous blesser à côté de l'ongle. Il fait tout professionnellement. Je vous le conseille, il ne coûte pas cher et il est à la portée de tous. Quand moi je préfère les pieds à mes clients, j'ai un autre plus professionnel. Celui-ci, je l'utilise pour usage personnel. Vous pouvez vous en procurer aussi. Après avoir nettoyé la plante de mes pieds, mes orteils, je vais venir laisser au repos dans mon appareil à massage. Je vais prendre ma lime en carton que je vais venir gommer la plante de mes pieds de tous les côtés et contours. Je vous conseille vraiment une lime en carton. N'utilisez pas les limes en fer. Elles ne sont vraiment pas bien pour la peau. C'est très facile quand les pieds ont passé un peu de temps dans de l'eau. Je vais gommer de nouveau pour bien enlever les peaux mortes.
je prends vraiment la peine avec une lime en carton, je n'ai pas de souci que je peux me faire mal ou que je peux me blesser. Non, non, non. C'est pour ça que je vous la conseille vraiment. Quand vous faites votre pédicure, utilisez toujours les objets jetables ou les objets en carton. Pas d'objets en fer. Je vous recommande, je vous le recommande vraiment les filles. Bien gommer entre les orteils pour enlever les impuretés. Bien prendre son temps. Très important. Vous pouvez aussi utiliser cet appareil qui permet de bien gommer la plante des pieds. Même la lime, comme j'ai fait premièrement, c'est toujours bien. L'importance ici est de bien laisser ses pieds au repos dans de l'eau tiède et mettre tous les produits que je vous ai fait voir au début de la vidéo. Vraiment, quand les pieds respirent, tout le corps respire. Tu regardais la différence avant et maintenant. Ensuite, je vais venir rincer mes pieds avec de l'eau bien potable. Regardez comment mes pieds respirent, je ressens une légèreté. Utilisez un mouchoir ou une serviette bien propre. Poser mon vernis à ongles maintenant que j'ai fini de nettoyer, de prendre soin de mes pieds. Je me sens légère, je vous assure, je me sens. Voilà les filles, nous sommes à la fin de cette vidéo. Prenez-en soin de vos pieds, c'est très important. Bye bye! Comme je vous ai dit au départ, j'ai pas de beaux pieds, mais j'en prends soin. Gros bisous et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner.